chatons. Qu'est-ce qui se passe les loups? Qu'est-ce qu'ils ont senti? Des plantes! Oh mon! Mon bébou! Et alors? Eh ben salut tout le monde! On s'était pas encore vu réellement. Je suis enfin chez moi, j'ai quitté le boulot. Vous avez vu que je vous ai emmené un petit peu faire les magasins, enfin le magasin. Vite fait à travers Paris, je suis allée au Halles. Oh, j'ai mon maquillage qui commence à partir en vrille, je suis chaud. J'ai acheté des plantes. Et j'ai les deux loulous qui n'en peuvent plus. Après, c'est normal, j'ai pris de l'herbe à chat. Donc, mais c'est pas maintenant, dites. Oh, attendez un petit peu. Aïe, 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 c'est tout le temps pareil. Les plantes, ils sont complètement frappadingues. Oh, qui sont beaux, mes loulous. Mais maman, tu nous montres un peu ce que t'as acheté ou quoi? Hein? Regardez-moi le vilain. Hein. Ah, si vous, ceux qui ont vu les premiers vlogs... Il a bien grandi, le chouchou. Ah, oh, cette tête. Tyrion. Que grand. Oh, Tyrion, la beauté. Le hall plante. Non, mais regardez, moi, je peux rien faire avec des chats pareils, là. Ouais, il y a des joujoux qui traînent, il y a des, toutes ces merdes. Je ne peux rien faire. Bon, ça suffit. Ça suffit. Wow, la belle plante. L'herbe à chacha. De l'herbe à chacha, maman. Mais c'est génial. Regardez-moi ça, il bouffe ça direct. Voilà, il y a fleurs jaunes, fleurs oranges et fleurs... Bon, là, on voit rien du tout, là, pour le coloris. Je sais pas si... Et fleurs un peu rose fuchsia. Et il y a une plante à bouboule. Putain, mais ouais. Mais en fait, j'ose pas trop sortir parce que je sais qu'ils vont venir les bouffer. Celle-là, j'en avais déjà acheté une, mais elle était morte. Donc je l'ai racheté. Puis d'autres petites plantes, mais je pense que je vous les montrerai mieux ce week-end parce que je vais essayer de prendre le temps de les rempoter un peu. Enfin, voilà quoi. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu en vlog. Moi, il va falloir que je reprenne l'initiative de vlogger. Là, d'ailleurs, je vais même pas expliquer pourquoi. Je vais vlogger pour ce week-end parce que ça fait longtemps et que de toute façon, je peux pas trop faire ça la semaine parce que je suis pas toute seule dans mon bureau. On est plein et en vrai... ce serait un peu complexe, je pense, de filmer comme ça. Oh, j'ai chaud, je suis en sueur, c'est terrible. J'ai fait vite fait, toute petite vite fait sortie sur Paris, ce qui, moi, m'arrive rarement aussi, hein, je vais pas vous le cacher, je sors rarement. En général, je finis le taf, je rentre chez moi, hein, parce que bah, y a les lives, y a du montage, et puis je dois m'occuper de mes loulous, puis je dois manger, enfin voilà, j'ai très peu de temps en vrai, donc faudrait que je vous le fasse, un vlog semaine, mais vous verrez pas grand-chose, en fait, ce serait très répétitif. Donc je me suis dit, go, allez le faire pour un week-end, parce que ça fait longtemps. Partager un petit peu le quotidien du week-end. Et en général, je sors que dalle le week-end. Une fois que je suis rentrée le vendredi soir, je ne sors pas avant le lundi matin. Ouais, même pour aller chercher le courrier ou jeter les poubelles. Non, je... Car clairement, je le fais pas. Je suis une grosse feignasse. Voilà, c'est dit et c'est complètement assumé. Regardez-moi ces petits chouchous là, ils se régalent. Oh, le plan de l'enfer. Bon ben voilà, on peut pas être plus précis au niveau de l'horaire et de la date. Hein. Me voilà ma place préférée sur mon PC. Regardez-moi ces zouzous là-bas là. J'ai déballé les plantes, je les ai posées un peu n'importe où. Ah là, une agression! Bah, Tyrion, là, t'exagères, il a rien fait, hein. Les gosses. Enfin, bref. Je suis à mon bureau. Oh, j'ai vraiment une sale tronche, mais bon. Enfin, vous m'avez déjà vu au réveil sans maquillage. Je pense que ça va. Ça va, on peut pas faire pire que ça. À mon bureau. Et, alors, le live, il est à 20h30. Voilà, bah, qu'est-ce que je peux faire quand je fais, quand je rentre? En général, je me mate des vidéos. Mais bon, je peux regarder un peu les... Ah, oh, merde! J'ai oublié de programmer Destiny qui devait déjà sortir hier. J'avais dit qu'il sortirait aujourd'hui. Bon, bah je vais le sortir maintenant. Oh, mais regardez 280 abonnés sur la chaîne VOD. Agent Shirley VOD. Si vous n'êtes pas encore abonné, si ça vous intéresse de mater les lives en fait en rediff qui resteront. Ouais, j'ai lancé un 100 générations. Ouais, j'ai lancé un 100 générations. D'ailleurs, ce soir, on y joue. Et là, il y a le quatrième épisode qui est sorti, du coup, bah aujourd'hui. Ouais, on est le 17, c'est ça. Et j'ai déjà bien vu. D'ailleurs, le premier épisode a tellement marché que ça en est... Enfin, voilà, il a 1275. Alors, bien sûr,
Pour certains, c'est pas beaucoup comme vue, hein. Moi, c'est quand même beaucoup, parce que même sur ma chaîne principale, je ne fais même plus 1000 vues. Donc, c'est incroyable, c'est que là, j'ai même pas partagé le truc. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Bon, ma trêve de galijade, hein, je vais aller me connecter sur le compte principal et je vais publier Destiny, que j'ai oublié de faire hier, parce que hier, c'est sorti Grandir Ensemble. Donc, dans l'euphorie, putain, mais mes cheveux, c'est une cata. Dans l'euphorie, machin, compagnie... j'ai oublié, puis voilà, je me suis dit, ça sert à rien, il va passer outre. Donc, je vais le publier maintenant. Voilà, l'épisode, il dure 28 minutes 13. De toute façon, il est dans non répertorié, il suffit de le mettre en public. J'ai du mal, parce que je regarde à travers mon téléphone, donc ça ne va pas du tout. Ok, je n'oublie pas de le mettre dans la playlist. Non, Destiny, pas mini challenge. Clac. Et je vais enregistrer. Ouais, et ça publiera automatiquement la petite vidéo. Regardez cette vieille tronche là. Nying. Quand je retourne sur tableau de bord, effectivement, il est sorti. Voilà. Bon, faut faire péter ce nombre hein, aussi. Hein, ça stagne. Regardez, plus 6 au cours des 28. Alors, j'étais montée à 37, j'ai descendu à 6. Je suis montée à 97, mais je suis pas dépassée. Hein, j'ai pas dépassé les 400. Puis j'aimerais bien que ça arrive à 8, à 10 000. Donc je compte sur vous en fait, hein, parce que le bouche à oreille c'est vous, hein, ça je le dis tout le temps, mais c'est ça. Hein. Faire la promo sur la chaîne et tout, sur les groupes, j'en sais rien moi, sur vos réseaux sociaux, si vous n'avez pas trop un truc trop personnel, trop famille, vous pouvez y aller quoi. Ça me ferait plaisir. Alléluia! Ah, ça faisait plusieurs fois cette semaine que j'essayais de sortir le rendu de cette vidéo qui est, que normalement du coup vous verrez ce week-end. C'est le challenge un carreau, là, où on commence dans un seul carreau comme ça, et on fait des photos et tout le tralala pour faire de la thune. J'ai essayé plusieurs fois cette semaine, ça ne marchait pas, ça buguait tout le temps. Je m'étais dit, bon, bah fais chier, parce qu'en plus, j'ai fait le montage et tout, ça m'a pris assez de temps. Je suis un peu dégoûtée, mais finalement, ça y est, elle est enfin sortie, donc c'est nickel. Je vais pouvoir faire la miniature et les partager. Coucou, Jamy. Hello. Il n'y a jamais qui est venu squatter là. Oh là là, ce gros plan incroyable sur sa bouille. Oui, oui, vous pouvez admirer ses points noirs sur le nez. Oh, il en a pas, il a de la chance. Il a de la chance. Voilà. C'est pas encore Titi, hein, c'est que Jamie, mais. Ça fait plaisir. D'ailleurs, Titi, il est toujours derrière, si vous voyez. Oui, 19h51, je vais commencer à faire manger et me détendre un peu le glandibule avant de refaire ma gueule, refaire le maquillage, un peu comme ça, les retouches, tout ça, et commencer le live. Hein, Titi ? Ouh ! Voilà. Allez, à toute allure. Bon, je regarde Squeezie. Ces vidéos qui est l'imposteur, elles sont quand même banger à chaque fois. Le live est prêt. Enfin, il est prêt, presque. Parce qu'il faut. Attendez, il faut que je chope une vidéo pour la musicasse. J'ai encore perdu un abonné, tiens. Hein, c'est super. Une musique. On va prendre celle-là. Voilà, très bien. Je baisse déjà le son. Et puis après. Je vais mettre le son dans mon casque, éteindre la lumière ici, parce que voilà, ce sera mieux comme ça. Je vais brancher les trucs derrière aussi pour avoir un fond sympa. Je vais me remaquiller, j'ai lancé le live et tout ça. Et voilà. Ouais, ouais, la fatigue, hein. C'est terrible. Un petit peu moins de lumière peut-être, je ferai moins peur. Ouais, de toute façon, on est plus à ça après, hein. Allez, à toutes. Voilà, le live est lancé. Je fais quand même vachement moins peur. On voit que je suis passée par la case refaisage de gueule. Petit coup de peigne aussi. Hein. C'est fou la différence quand même. Hein. 20h46, ça fait 14 minutes que j'ai lancé. On va peut-être y arriver. Titi est toujours en place. Tyrion, on va aller voir Tyrion d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Tyrion. Qui s'est fait agresser honteusement par Monsieur Jean-Mi.
Jamy qui fait l'écureuil. J'en fais plus. Il est trop mignon. Coucou Titi. Coucou bébou. Voilà les loulous. Et ta doudou ce soir. Hein, ça fait un dodo encore devant là. Derrière moi. Je sais même pas si vous verrez quelque chose. Tyrion, il est calme. Il est zen. C'est la sagesse. Un chachon. Oh, vous le verrez mieux. La tronche qu'il a. Et Jamy qui me renifle. Au revoir Jamy. Allez, bisous mes petits cœurs. Fais des bidous. À tout à l'heure les chatons. Et moi je vais m'asseoir. Je fais toujours un bisou à mes petits cœurs. Avant de lancer le live. Enfin, avant de me mettre moi en live parce que le live est déjà lancé. Je fais toujours un petit bisou à mes chats. Pareil, avant d'aller dormir. Quand je me lève, quand je pars, quand je reviens. Toujours le petit bisou. Ah, je suis accro à mes petits garçons. C'est la vie. Allez, bah go pour le live. Les 100 générations ce soir. Il n'y a pas beaucoup de monde. Clairement. Clairement pas du tout. Mais bon, il y a génération. Grandir ensemble qui est sorti hier. Donc forcément, il y en a qui squattent complètement le paysage Twitch. Hein. Voilà, voilà. 992, 243, 220, 4. Forcément. J'ai zéro chance en face. C'est pas grave. Les meilleurs seront là. Et si vous n'êtes pas encore sur la team live, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Allez, ciao. À tout à l'heure, quoi. Hey. Ouf. Ça fait mal. Oh la vache. Avec le casque, ça m'a fait n'importe quoi. J'ai fini le live il y a 2 minutes. Juste le temps de fermer un peu. Live rocambolesque sur le 100 générations. Le jeu m'a trollé encore une fois jusqu'au bout. On aime ça quand le jeu te troll. Ben vous, vous aimez ça, hein. Moi j'aime pas trop. Mais moi ça vous fait marrer, c'est déjà ça. Et puis ça fait des trucs exceptionnels un peu quand même, j'ai envie de dire. Je vais recharger mon casque, comme ça demain j'aurai de la batterie. Il est 1h du mat. Et voilà, on a fini le live. Pour ceux qui regardent pas le 100 générations, on était sur la G2 avec Bergamote ce soir. Et on a tué quelques petits maris qu'elle s'est fait, des nouveaux maris. Et on, ça y est, on a... Oh Dieu, Tyrion qui se barre, très, très sympa. Et on a transformé, on a fini de faire ses opérations chirurgicales et elle est tombée enceinte. Et la G1 vient de mourir en fin de live. N'hésitez pas, hein, il y a la VOD dans la description. Les liens pour la chaîne Twitch également, on se marre bien. Du coup là, 4 heures de live à peu près, c'est 1h du matin. On commence à 20h30, ouais, 4h30, ça va. Et demain la suite, demain est un autre jour, demain j'aurai dormi, les chats qui se chamaillent. Dormi, je vais tourner demain, tournage pour le YouTube. Ah puis j'ai ma caméra qui a bugué, en fait j'ai mon clavier qui clignotait, qui avait un faux contact, un truc qui allait pas. Impossible et tout, dès que j'étais en live, il s'arrêtait pas de clignoter, ça marchait une fois sur deux, machin. Et puis là, il était complètement déconnecté, donc j'ai voulu le débrancher, sauf que j'ai débranché la cam à la place. Donc du coup, la cam a bugué. Du coup, j'avais pas de caméra en fin de live, c'est n'importe quoi. En même temps, le jeu m'a tellement troll. Oh là là, là, il y a des bugs. Ça m'agace, mais ça m'agace, ça m'énerve et je m'énerve. Entre ça et les bugs, tu leur demandes depuis le départ. Mes Sims, ils font crac-crac du coup, parce qu'ils peuvent pas aller dans le lit. Je leur fais faire crac-crac dans la baignoire, dans la douche. Baignoire douche depuis le départ, ça marche, ça fonctionne très bien. Et d'un seul coup, ça marche plus. Qu'est-ce que je fais? Je vire un meuble pour mettre un placard. C'est à ce moment-là que ça fonctionne la douche. Je me dis, c'est pas possible, sérieusement. Enfin bref, les bugs de Sims, on a autre chose à faire dans la vie quand même que de s'inquiéter pour les bugs de Sims. Tu viens, Jake? Tu viens, câlin? Il me regarde circonspect. Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Mais pourquoi t'as des câlins? Mais tu es folle? Tu dis, ça sert à rien que je lui demande, il viendra pas. Et puis voilà, bon, je vais aller me démaquiller tout ça. Me changer. Me foutre au lit.
Je vais regarder, je vais sûrement traîner un peu, genre sur Insta ou TikTok, comme d'habitude. Et puis, ben, m'endormir comme un vieux caca devant un film ou un truc que j'aurais mis pour faire en fond. Et puis, comme ça, je m'endors très vite en ce moment. Des fois, je mets. J'ai même pas le temps de voir la fin du générique d'un film. Je mets des trucs de merde parce que je sais que je vais pas suivre. Et je m'endors devant. Cool. Ah, tu veux dire bonjour, mon chaton? Coucou! Qui est petit Jamy? Petit Jamy, oui. Mais oui, tu es beau, mon fils. Voilà, c'était Jamy, il avait envie de passer à la caméra. Titi, par contre, Titi, tu veux passer à la caméra? Voilà, bref, c'est pas intéressant, mais sympa cet éclairage, un peu, non? Ah, là, on le voit écrire dans le bon sens, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux, Jamie? Tu veux quoi? Bref, moi je vous souhaite une bonne nuit, même si vous n'allez pas dormir maintenant, au moment de la vidéo. Mais moi oui, ah, je te retrouve juste après. Moi je vais roupiller. Ciao. Hey. Coucou à vous, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans mon lit, vous et moi. Je sais même pas quelle heure il est même pas 9h du mat. Et ouais, il y a déjà de l'ambiance dans la maison. C'est les chats qui m'ont réveillée à faire des allées venues, à me sauter sur mon lit, etc. etc. Et j'ai même pas le droit de câlin. Alors, espérez pas que j'ai des câlins le matin quand c'est comme ça. Et du coup, ils m'ont réveillée. Je suis trop réveillée, j'arrive pas à m'endormir. Ouais, il est 9h04. Ouais, bah, je suis réveillée depuis 20 minutes, quoi. Bon, bah, je gagne une heure sur mon week-end. Wow, qu'est-ce que je vais faire pendant une heure? Le ménage? Du montage? Cœur balance. J'ai la voix méga enrouée, là. Viens dire un bonhomme. Hey, salut. Bien dormi, chérie. Poupée. Non, puis c'est bien ce que je devais faire des gaufres. Des gaufres? Va y aller doucement. Coucou. Et voilà la miniature de la future vidéo, c'est enfermé dans un carreau là pendant 24 heures Sims. Comment s'en sortir, comment faire de la moula pendant 24 heures Sims. C'est Charlie, coucou à toi, qui m'a demandé de faire en 24 heures Sims. Je pensais que ce serait compliqué, au final ça va, ça a été. Le bruit que vous entendez derrière, c'est Jean-Claude, hein, c'est l'aspirateur qui passe un petit coup là tout seul comme un grand. Et puis voilà, moi j'ai avancé sur ma petite miniature, je vais l'exporter, je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne sur le YouTube. Et tranquille. Hello, de nouveau. Je suis un peu plus préparée. Je suis prête à faire mes petites gaufrettes. Pour faire les petites gaufres light, il vous faut 200 g de compote de pommes. Moi, j'ai pris 3 sachets de 90 parce que bah, sinon ça fait manquer 20 g. Donc je vais tout mettre, c'est pas grave. Il vous faut 2 œufs. Il vous faut 200 g de farine. Là, je suis pas sûre qu'il me reste encore 200 g, je verrai bien. Et comme ça fait un petit peu de levure aussi, évidemment, et comme ce sera vraiment très peu sucré, je pense que je vais rajouter et du sirop d'agave, comme je fais souvent, pour donner un peu de goût. Jamie, voilà. Voilà pourquoi je cuisine pas et je mange pas sur ma table de salon. Voilà. Parce qu'il y en a un qui... Il y en a deux qui n'arrêtent pas de mettre leur nez. Casse les couilles. Bah écoutez, c'est miraculeux. Il y en a pile 200 grammes dans le reste de mon paquet. Donc, je vais pouvoir faire ma petite recette. Fais la mise au point, toi, déjà. Voilà. Un mélanger touillé. Et puis après, moi, je vais mettre dans mon petit... ma petite machine qui fait croque et gaufre en même temps. C'est juste des plaques à changer. C'est trop bien, ce truc-là. Et puis, bah, on se retrouve juste après, hein. Petite précision, pourquoi je rajoute du sucre, hein. C'est parce qu'elles sont sans sucre ajouté, mes compotes. Et bio, en plus, bah, du coup, c'est cool. J'avais pas forcément fait attention à ça. D'ailleurs, mon sirop d'agave aussi, il est bio, hein. Pchut, Jamie, casse-couille. Je vous jure. Il y en a un qui est pas loin non plus à observer, là. Fais pas ton air innocent, Jamie. Bon, et ben maintenant, j'ai tout mis. Il reste plus qu'à touiller. Oh, la toutouillette. Ah ben voilà. Alors, on dirait un petit vomi, hein, mais... J'ai une bonne tête. Il y a encore quelques petits grumeaux qui se baladent. Mais en vrai, c'est pas trop trop mal. Je vais goûter ça, quand même. On va voir si c'est bon, si c'est assez sucré. C'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, on va passer à la cuisson des gaufres. Dans le moule à gaufres. J'ai comme qui dirait oublié de mettre un truc dans le moule à gaufres.
Elles sont complètement pourries. C'est parti. Et voilà le résultat des gaufres. Elles sont toutes chaudes. Celle-là, elle est genre grosse de ouf. Et t'en as qui sont toutes petites. Celle-là. J'ai un peu mal jaugé le truc, mais bon, au moins elles sont pas arrachées en deux. Par contre, même si celle-là, là, j'ai goûté, elles sont super bonnes. Hein. Elles sont super bonnes, donc pour l'instant elles sont chaudes. Je vais laisser refroidir et je vais préparer mon petit brunch. Et là, mon pseudo brunch, mon petit thé, mes petites gaufrettes. Alors, je termine les gaufres éventrées, hein, les premières. Elles sont bonnes quand même. Je vais m'en faire deux. Alors, elle est toute molle, elle est beaucoup plus dure. Mais elle est pas cramée, non, elle est molle dure, quoi. C'est, voilà, j'aime bien. Et puis ça, en fait, il faut que je les mange parce que c'est la date est dépassée. Et j'avais acheté ça en mode petit prix parce que anti-gaspi et compagnie. Et au caramel, je connais pas, le truc c'est deux caramels, je sais pas quoi, enfin je m'en souviens plus. Et du coup, je me suis mise sur du montage en attendant un petit peu. Voilà, j'ai plus commencé à monter que faire... Que manger. C'est le terrain de la mort des streamers, pas des viewers, c'est des streamers. Et j'ai déjà commencé à le faire, hein, j'ai déjà bossé dessus. Il me reste encore une bonne heure de rush à couper, sachant qu'il y a des certains morceaux où j'ai déjà coupé, manger tranquillement et tout ça. Et puis après, après que j'ai mangé, je vais me maquiller correctement. Et puis je vais enregistrer. Tranquillement, j'ai envie de dire. Les chatounes, ils sont où les chatounes? Je sais pas. C'est pas grave. Moi, je vais manger. Et on se retrouve plus tard. Et me revoilà avec un make-up qui fait moins peur. J'ai un petit peu avancé sur le montage. Putain, j'ai sorti de la tête. C'est un petit peu long, mais ça va. Pour l'instant, de toute façon, je coupe que les morceaux où je parle pas, où c'est blanc en fait. Après, je me le repasse en entier. Et je supprime ce que je trouve super flou, pas intéressant. Et après, une deuxième fois, je me le repasse en entier. Pour voir si tout va bien et tout. Pour faire des effets, peut-être des mèmes et compagnie. Quoique normalement, c'est en même temps que je fais le découpage, mais ça dépend. Ça dépend. Mais là, je vais tourner et je vais mettre les CC dont j'ai besoin pour faire les vidéos que je vais tourner. Voilà, c'est les vilains Disney. C'est les CC des vilains Disney. Et donc, je peux lancer tranquillement mon jeu. Le jeu se lance. Putain, on dirait qu'il est énorme, mon écran. Ça va, en vrai. Ça va, en vrai. Oh, regardez. Ça, c'est Bergamote. Du 100 Génération. Voilà. Ce soir, on continuera en live. Le 100 Génération, elle va accoucher aussi, parce qu'elle, là, elle est enceinte. Je suis en train de réfléchir, mais logiquement, quand vous verrez ce vlog, il y aura déjà pas mal de choses qui seront sorties. Dont le terrain de la mort, dont... Destiny, je pense. De toute façon, je vais pas sur Destiny pour le coup. Sans génération, non? Qu'est-ce que je vais faire déjà? Ah bah oui, c'est le Hunger Games. Oh là là, je perds la boule. Voilà les petits loulous qui font faire leur petite sieste. Là, c'est Titi, fait semblant de dormir. Hein, parce qu'il sait très bien que je suis là. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi cette bouille de l'amour. C'est pas le plus beau des chatons, quand même. Jamie, vous avez l'air, mais il est où? Il n'est pas loin. Jamie n'est pas loin. Regardez, il y a un petit bout de pâte qui dépasse. Tweak, tweak. Et on soulève le plaid. C'est moi qui l'ai mis sous le plaid. Je lui dis, allez, toi, tu vas aller à la sieste. Voilà, il est là. Ça va, mon pépon? Regardez la petite papote, là. Il est content. Il est content, bébou. C'est le plus beau. Oh là là. Je vous aime fort, mes petits cœurs. Allez, je leur fais un petit bisou. Et je vais enregistrer. Hein. Je viens de finir déjà le premier épisode pour le Hunger Games of Sims. Ça a été très, 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 très rapide. Donc, tranquille. La mort aussi a été méga rapide. Ils sont déjà plus que 5, les 14h15. Je pense qu'en vrai, si tout va aussi vite que ça, parce qu'en fait, c'est vrai que les épisodes peuvent être un peu plus loin tournés, mais c'est surtout la mort qui peut être très longue. Je sais que j'ai déjà attendu des heures et des heures et des heures. Sims, hein, évidemment. Mais en vrai, moi, je suis comme ça et j'attends de mon ordi. Je fais, putain, mais quand est-ce que le Sims, il va être fatigué pour que je puisse le noyer, en fait. Donc, il faut quand même que je choisisse des morts qui soient assez rapides. Et en fait, voilà, quoi. En tout cas, c'est cool. Ça a été super rapide pour cet épisode. C'était l'épisode 3. Voilà. Et donc, bah, je vais passer à la suite. Ils sont plus que 5.
Je fais un épisode, il restera 4. Je fais encore un épisode, il restera 3, tout ça. Mais en vrai, je peux finir de tourner aujourd'hui, quoi. Oh, punaise, je l'aurais tourné en 2 jours, toute la série. Bien sûr, après, moi, j'aime bien faire des putains de génériques qui sont cool et tout. J'ai déjà tourné quelques petites scènes. Et puis après, je ferai le montage générique, le montage des épisodes. Et après, ça partira sur la chaîne et que vous pourrez les regarder. Voilà. Bah écoutez, hein, j'ai encore du taf. À tout à l'heure. Hey, c'est encore moi. J'ai galéré à tourner un épisode. Là, il voulait pas mourir, le mec. Ouais, c'était un mec, ouais. Enfin bref, il est 17h44 et il me reste que la finale à tourner pour les Hunger Games spécial Vivian Disney. En vrai, ça va le faire, je vais le faire maintenant. Comme ça, après, je suis tranquille. J'aurais pu que le du montage à faire, faire la vidéo d'intro aussi. Des petits morceaux de plans séquence un peu du château où ils sont, même si on ne le voit quasiment pas, c'est pour donner une ambiance et compagnie, quoi. J'ai super faim, par contre, aussi. Et comme ça, après avoir fini cette finale, je pourrais manger. J'ai la dalle. Alors, j'ai peut-être me manger une gaufre quand même hein, avant. J'ai super faim. Et puis c'est très bien. Puis le live est à 20h ce soir. Là j'ai 3 du 100 génération. Ben du coup on se retrouve juste après quand j'ai fini. Quand j'ai fini de faire la finale des Hunger Games. En vrai, je mettais toujours en retard les Hunger Games parce que pour moi c'était beaucoup de boulot. Parce que je devais faire la recherche de c'est créer les personnages, créer les lieux, créer les compétitions aussi hein, et les tuer. Mais en vrai ça va, les compétitions tu les fais rapidement, tu décides ouais vas-y tu vas faire de l'escalade, vas-y tu vas faire de la pêche, vas-y tu vas faire ça. Ça s'élimine très rapidement et puis il y a des morts qui sont assez rapides en vrai. C'est juste que je me mets trop de pression aussi par rapport au générique. J'ai fait les 2 séries qui sont passées avant, elles ont un générique de ouf et je sais que je peux pas laisser passer, il faut que je fasse aussi un autre générique de ouf. Et je pense que c'est ça. Je me dis, c'est beaucoup de boulot. Faut que je réfléchisse. Faut que je tourne les plans. Faut que je le fasse bien. Faut que je trouve la musique. Qu'elle sonne bien. Qu'elle passe bien. Et ça demande beaucoup de taf quand même. Et en vrai, c'est ce qui me retarde, je pense, dans ma tête. Voilà. Bon. Bah, let's go. Hein, je vais filmer la finale. Hein. On se retrouve après. J'ai faim. J'ai mangé une gaufre. Et puis, je vais filmer. Comment j'ai encore galéré à tuer le dernier Sims là. C'était long. Il est 18h58, donc 19h. Je vais manger. Je vais me faire appauser. J'ai faim. J'ai toujours ressenti faim. J'ai mangé une gaufre, mais ça ne m'a pas calmé ma faim. Et puis, c'est cool. Je vais me détendre pendant 1 heure avant de rempiler pour jouer aux Sims pour la soirée. Non, ça va être sympa. Ça va être cool. T'es le 100 génération, ça va être sympa. Il y aura un bébé qui va naître, tout ça, ça va être cool. Et c'est re-moi. Il est 20h04. J'étais allongée dans mon canapé, et je dormais pas. Mais j'ai regardé une vidéo, et puis je faisais des coucous aux chats, tout ça, machin. Je viens de lancer le live, parce que du coup je suis à la bourre. Et puis voilà, je vais aller me refaire la tronche, parce que visiblement... même du rouge à lèvres sur le menton, c'est terrible. Et un petit Tyrion qui est là. Titou. Quel est mignon, en vélo. Et Jamie qui est pas loin. Et let's go pour le live. Pou, 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 pou. Il est 1h07 du matin. J'ai fini mon live. Ça s'est super bien passé. C'est très très cool, on a bien avancé. Premier petit bébambin là, nourrisson là, machin, qui est un garçon. Non, c'était cool, on a bien rigolé. C'était très 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 cool. Je suis contente. Et en vrai, bon, je devrais pas trop parler de ça ou quoi, mais en termes de stats, j'étais quand même à 110 personnes. Sans raid. J'ai eu un raid, mais il est venu après. Donc, comme quoi, je peux faire des stats à plus de 100 personnes toutes seules sans me faire raid. C'est carrément possible. Je pense parce qu'il n'y avait surtout pas les plus gros streamers. Donc, forcément, ça aide à faire du chiffre quand les 3/4 sont pas squattés par les streamers les plus gros, quoi. Comme ça, ça laisse un peu la chance aux autres. Donc, en vrai, c'est très bien. J'ai eu plus de 20 follow dans la soirée. Donc, c'est énorme. 4700 followers en tout. Wouh ! Je disais, j'ai...
J'espère passer les 5000 cette année, on verra bien. Voilà, et puis je suis fatiguée. Je vais aller enlever mes lentilles parce que je les ai depuis un moment quand même. Les petits chatons. Bonjour bébé. Il dormait là, mais bien sûr, comme je me suis mis à côté, il s'est barré. Voilà. Et demain est un autre jour, ou demain, logiquement, comme j'ai tout fini. Non, c'est vrai. J'avais deux choses que je voulais tourner ce week-end. C'était avancer sur la Hunger Games. Ben, j'ai tout tourné. Comme ça, au moins, c'est fait. Et faire un truc sur les Sims 3. Et je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'un petit let's play aussi. En fait, entre deux saisons de Destiny, je me suis dit que c'est bien d'avoir quand même un truc qui se suit un peu, mais pas trop long non plus. Donc c'est pour ça que les Hunger Games, c'est parfait. Bon, c'est juste que moi, je suis pas bien mis en valeur par YouTube. Donc ça risque de passer à l'as, mais au moins, ça sera fait. Bref, je verrai ça demain. En attendant, j'ai envie d'aller me coucher et de me reposer. Faire des bisous à mes petits chatons. Et ça fera du bien. Voilà. On se retrouvera demain. Bonne nuit. Hello. Bon matin. Ça fait quoi? Une demi-heure que le réveil a sonné. J'ai l'impression d'être encore plus fatiguée. J'ai mal au dos. Au bas du dos et compagnie. Mais ça, c'est un peu tous les matins. J'ai un matelas, je pense qu'il est mort. Faut que je le change. Et j'ai les petits chatons. Coucou, bébou. Vous voyez mieux le petit Jamy. J'adore les week-ends parce que j'ai des câlins. Bah encore Titi, ça dépend. Il y a des fois où il va dormir avec moi et il va me faire des énormes câlins et compagnie. Ou alors c'est plus discret. C'est vraiment je viens, mais c'est vite fait, mais machin, ça dépend. Et puis je vais me lever tranquillou. Et puis on verra bien. Faut que je rempote mes plantes là que j'ai achetées. Enfin, je vous les montre aussi. Ça va être sympa parce qu'avec les chats. Ils vont tout vouloir bouffer, sniffer et compagnie, hein, comme d'habitude. Je les adore, hein, mais punaise, qu'est-ce qu'ils sont chiants des fois. Et puis, voir faire un peu de montage, avancer sur le terrain de la mort. J'ai aussi un petit rendez-vous avec une abonnée, parce que elle m'avait gentiment proposé de faire un peu un bilan de mes chaînes et... de mon audience et compagnie, en fait. Savoir pourquoi, à qui je m'adresse et comment je peux me faire pour être plus visible, peut-être pour m'en sortir un peu plus sur l'internet du web. Son métier et tout, et elle s'est proposé gentiment de m'aider là-dessus. Donc, je lui ai donné pas mal de mes stats concernant YouTube ou Twitch. Et on va se faire un petit rendez-vous vocal aujourd'hui pour en parler, qu'elle me donne ses impressions et peut-être des pistes pour avancer sur les choses. Là, c'est vrai que même si le live d'hier a fait des stats de ouf, mais c'est normal, quand il n'y avait pas les plus gros streamers, j'en récupère quand même des gens finalement. Mais faut convaincre de dire que viens chez moi plutôt que chez un autre, quoi. Mais bon, je peux pas les obliger, les gens, ils font ce qu'ils veulent, donc voilà. Bah écoutez, je vais me lever, tranquille, c'est dimanche, quoi. T'as quelque chose à dire, Tyrion? Tu veux dire quelque chose à maman? Dis-toi, maman. Croyez-moi que quand il est comme ça, c'est qu'il attend quelque chose et je sais très bien ce qu'il attend. Tu veux jouer? Tu veux jouer, Titi? Tu veux jouer? Tu veux jouer avec maman? Mais à quoi on va jouer, mon Titi? À quoi on va jouer, mon bébou? Tu veux jouer à ça? C'est son joujou de l'amour, ça. Tyrion, il sait exactement... Ah ! L'autre qui se pointe. Tyrion sait exactement comment faire pour me demander de jouer avec lui. Et il le fait, croyez-moi, soit quand je dois partir bosser, soit quand je vais me coucher. C'est jamais les bons moments. Allez, on va essayer de jouer. Si vous verrez bien, mais... Allez, Titi!
sont pas très actifs là, ce soir, aujourd'hui. Hein. Alors ça, c'est pas parce que j'adore avoir du bordel chez moi, c'est parce qu'ils adorent aller dans les sacs en papier. Du coup, je leur laisse parce qu'ils s'éclatent avec, ils vont dessus, ils vont dedans et puis ils font des trous, voilà. Et voilà, c'est leur truc, c'est leur truc. Quand je suis pas là la journée, au moins ils savent s'amuser s'ils ont envie de s'amuser, quoi. Hein, mon bébou? Alors, t'es intimidé? Voilà. Jamy est beaucoup plus réveillé que Thierryon, là. Comme t'es beau, mon loulou. Oh, qu'est-ce que tu es beau, Titi. Tic. Oui. Tic, tic. Allez, on joue un peu là, on s'active un peu là, les loulouches. C'est Titi qui réclame à jouer, mais il joue pas beaucoup, hein. Qui est-ce qui attrape le pompon? Qui attrape le pompon? Qui est-ce qui attrape le pompon? Il en a rien à foutre. J'y suis arrivée, j'ai fini de monter mes 55 minutes à peu près, du coup. 56. C'est clairement impossible. Donc, bon. En tout cas, tout est fait, tout lâché là. Et tout a été bon, coupé. Donc, j'ai plus qu'à me le refaire en une fois. J'enlève tous les trucs inutiles. Bah, je vais nettoyer tout ça et la vidéo sera. Oui, ça va. J'ai pas trop galéré à la faire en vrai. Juste un peu de motivation. Et yo, j'ai fini mon call avec mon abonné. C'était très intéressant, très sympa. Les chatons se réveillent. Voilà, moi j'ai un peu refait ma gueule. Titi, il est reparti dormir. Et moi, hein, du coup, finalement, créer un couple de Sims. Avec qui je vais tester grandir ensemble. Je pensais que j'allais pas le faire, mais la discussion qu'on a eue avec l'abonné, Iruline, coucou, ça m'a donné envie de le faire. Je me suis dit, vas-y, en fait, c'est plus pour moi et un peu pour vous quand même que pour EA. Donc en gros. Vous voyez mieux mon super sweet, n'importe quoi. Mon sweet Game of Thrones avec le rat de la nuit. Du coup, ben, let's go, je vais préparer mon petit couple, je vais faire les bambins, là, les nourrissons et puis. En vogue la galère, et je pense que ça va me faire rager, et je pense que ça va vous plaire. Hein? Un mot à ajouter, Jamy? Jamy? Qu'est-ce qui t'arrive? Cul est mignon. Contemplatif, hein, surtout, mais mignon. Yes. Puis ouais, bah, j'ai fermé un peu le rideau hein, de la fenêtre pour les éclairages derrière. Que ce soit joli à la caméra. Donc, c'est parti, je vais tourner. Non, c'est pas une sirène d'alarme d'incendie. Je suis pas sur un paquebot, je suis pas sur le Titanic. Non. C'est mon connard de voisin qui fait des saxo-trompettes. Et qui fait chier le monde! C'est le chaos le plus total. Ben, vu que j'ai mon cher voisin qui m'a cassé les pieds avec son saxo de merde, là, j'ai foutu une vidéo de l'incatéracide à fond. Voilà. Avec leurs cartes et tout, ils reçoivent leurs abonnés, j'ai rigolé. Et j'en ai profité pour rempoter mes petites plantounes. Du coup, alors, ça c'était des feuilles de... Je sais plus quelle. Sans déconner, je sais plus quelle. Que j'avais... ça fait plusieurs mois qu'elles trempaient dans l'eau. Il n'y a pas eu de racines, mais elles sont pas encore pourries. Donc j'ai quand même mis un petit pot comme ça. Bon, peut-être qu'elles vont prendre pied. Celle-là fait partie de celles que j'ai achetées... Alors, on a rien à choisir ou quoi? Non, c'est quoi? Il fait nuit, wesh. On voit pas grand chose alors que tout à l'heure ça allait. C'est un paper spot, je sais pas quoi. J'en avais déjà une, mais qui est pourrie. Qui avait pourri. J'ai pris deux petites bébés Pilea. Pareil, j'en avais déjà une, mais bon, ben, j'ai pas réussi à savoir si je l'avais trop nourrie, trop arrosée ou pas assez. En tout cas, j'en ai deux nouvelles maintenant. Je vais essayer de les chérir.
parce que elles ont besoin. J'ai pris ça aussi. Je sais plus c'est quelle race, mais c'est presque, enfin, ouais, voilà, enfin, c'est des trucs paper spot, machin et tout. Ça, c'est ma vie, ça. J'en avais déjà acheté une, mais elle est morte aussi. Pas des petits pois, c'est, je sais plus quoi, des petits avec des pois. Enfin, c'est trop bien, puis ça tombe et tout, c'est trop joli. Que j'en ai repris une. Et j'espère juste qu'elle va faire sa vie et qu'elle vivra, surtout. Et ça, je l'ai rempotée, c'est une Zemero Zemezimizumizu avec plein de Z. Elle était à la bord dans ce pot-là. Mais en fait, quand j'étais pas là un week-end, Jamie a eu la bonne idée d'aller déjà dans le pot qui était calé vers ma cuisine et tout. Et il foutu de la terre partout. Et surtout, il a pissé dedans. Donc, bon, comme elles étaient pas terribles et qu'elles ont passé un mauvais moment, je les ai rempotées dans un truc plus petit. Parce qu'avant, elle était beaucoup plus jolie. Et là, elle a un petit peu tiré la gueule, donc je pense que je la refais. Voilà. Et Monsieur Titi, il fait sa petite sieste. Coucou, beauté. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, avec son truc, là? Tu es beau, mon loulou? T'es beau. Tu es beau. Jamie était très curieux, il a tout suivi ce que j'ai fait. Moi, j'ai les mains dégueu. Ça va plutôt se voir sur cette main-là. Bien cracra. Ouais, je me suis même pas lavé les mains. Parce qu'en fait, vu que je dois encore nettoyer et tout, bah... Ah! Super! Je vais le refaire. Hein, Jamie? Ah oui. Ah ouais, on se les chouille, ouais. On se les chouille, c'est plus intéressant. J'ai reçu mon Burger King. Ouais, miam miam. Je me suis lavé les mains, j'ai rangé les plantes. Il y a juste ça qui reste. J'ai un petit chaton aussi. Il y a ça qui reste, je vais nettoyer après. Et j'ai Jamie. Oh la coquinouche. Jamie qui va... Quand je me fais livrer, les chats, ils sont toujours fous. Voilà. Et un Jamie. Tu aimes bien la terre. Ah oui, t'en vois pas souvent, hein, toi. Ah non, hein. Et le tété. Tété, il se dit... Ouais, il va peut-être pouvoir bouffer, grailler un petit bout d'hamburger, là. Donc, c'est l'heure de manger, oui, oui. Et je me suis mis Netflix. Je pense que là, après l'autre con qui m'a énervé avec sa musique et tout, le fait que j'ai pas pu finir la vidéo que je voulais faire, je sais même pas si je vais la finir au final, voilà. Parce que j'enregistre que le week-end, en fait, donc ça me casse les couilles. Je vais me regarder la suite de Shadow and Bones, de la saison 2, hein, que j'ai repris. C'était bien ce que je m'étais fait, je m'étais refait la saison 1 il y a quelques semaines. Parce que je savais que, voilà, j'espère que je ne spoil pas d'ailleurs. Je savais que la saison 2 allait arriver, donc voilà, je mate la saison 2 maintenant et je vais bouffer, je vais faire ma grosse. Et Burger King, n'hésite pas à m'envoyer un petit chèque, hein. Ouais, un gros chèque. Je sais que vous n'avez pas besoin de pub, mais moi je vous fais de la pub. Nah, c'est comme ça. Hein, Jamie? Ils sont fous. Allez, je bouffe, à tout à l'heure. C'est encore moi, il est 23h29. Je suis sur les Sims, où j'essaye, déjà ça fait plaisir d'en revoir une, hein, ma belle, d'avancer un peu sur le machinima du Destiny pour, malheureusement, la mort de nos protagonistes d'amour. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai tourné quelques scènes. Faut que j'aille, un peu tard, ça va, il est 23h30 en vrai, mais bon... Dans les conditions qu'il faut que j'aille sous la douche pour aussi me laver les cheveux qui sèchent et tout le bordel. En vrai, je vais arrêter là et je vais faire un peu moins de choses. Bon, j'ai pas travaillé intensément non plus depuis tout à l'heure. Hein. J'ai regardé 2 épisodes et demi de Shadow and Bones et je voyais que je suivais plus, donc j'ai arrêté. Je me suis mis sur le live de Mr. Thibaut. Voilà, et puis je vais faire mes choses, quoi. Mes choses. Avant d'aller me coucher tranquillement. Et j'ai petit Rion qui dort. C'est trop mignon. Regardez-moi comme il est mignon. Hello, Titi. Hello, Jamie. Il est super tard. Je suis toujours pas couchée. 1h40. Je vais y aller. J'étais en train de faire plein de choses. De toute connerie, quoi. Bisous au chat. Regardez un petit peu l'internet. Qu'est-ce qu'il fait ?
met sa tête dans le truc. Que t'es bête. T'es trop bête. Je vous jure. Et oui, ils sont bien réveillés. Regardez-moi cette beauté, mon tété. Tiens, moi, mon fils. Parce que demain, à 7h30, réveil, boulot, tout ça pour la semaine. Et ouais, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Hein, Jamie, on s'arrête jamais, hein. Et ben voilà, c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'ai les cheveux qui sont chelous parce que je les ai peignés, mais ils sont encore un peu mouillés, donc ils sont un peu bizarres. Ça ira mieux demain matin. Moi, je vous souhaite bon fin de journée. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous a appris des choses, je sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses intéressantes ou pas, en vrai, parce que là, moi, je sais pas. J'ai une sale gueule, la vache, du maquillage, ça fait moche et ça fait mal. Je vous fais des bisous. Non, merci de m'avoir regardé, vos vlogs incroyables. Et j'ai pas fini ce que je devais faire ce week-end. Les plantes dans les jardinières, je les ai pas faites. Par contre, il y a une fleur qui s'est bien ouverte. Elle se plaît bien à l'intérieur, quoi. Mais je vais les faire peut-être demain, je verrai bien. En tout cas, dans la semaine, c'est obligatoire. Sinon, voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et merci de m'avoir regardé. Ciao.